U, bienvenue. C'est une espèce de grosse mouche qui m'emmerde. Salut, salut, salut DS37, salut Franck, salut Rafi, salut Elouen, Furuyami, Seb, Animapix, Olivier. On me voit, on m'entend. Ah, c'est gentil ça. Pas besoin de poser la question. Donc, tout va bien pour moi, j'espère que tout va bien pour vous. J'en profite, que je commence toujours par faire ma petite publicité pour mon bootcamp. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura des lives spécifiquement pour ceux qui sont membres et qui auront acheté cette formation ou qui sont membres premium de Gamecoder. Donc, c'est une formation 100% en ligne qui vous permet d'apprendre à faire ce que je suis en train de faire devant vous, c'est-à-dire construire toute l'architecture qui va vous permettre de programmer des jeux d'arcade en web et HTML5. Et programmer pour le web, ça a plusieurs avantages. Premièrement, ben, ça évite aux gens de devoir télécharger, puisque le téléchargement aujourd'hui est devenu synonyme de virus. Et les gens ne savent même plus télécharger puisqu'ils ont l'habitude de travailler sur des téléphones et des iPads. Donc du coup, ben, ils sont très preneurs de jeux web. C'est pour ça que les jeux Facebook ont un tel succès. Vous avez également, grâce au web, plus de joueurs sur les game jams, puisque ça permet de tester vos jeux plus facilement pour une game jam. Et si vous participez à des game jams et que vous voulez avoir des bons placements et beaucoup de votes, c'est un gros avantage. Ça permet d'apprendre le JavaScript, qui est un langage qui est partout aujourd'hui, qui envahit même Visual Studio Code et codé en JavaScript, pour vous dire. Voilà, et ça vous permet de créer des jeux beaucoup plus facilement que ce que vous ne le pensiez. Puisque vous n'avez pas besoin de moteurs qui vont vous rendre captif. Vous allez pouvoir créer des jeux très facilement. Tiens, hier, on m'a, alors je vais essayer d'ouvrir ça. On m'a envoyé un lien. C'est Yohan, je ne sais pas s'il est là sur le live. M'a envoyé un lien d'un jeu qui est programmé en JavaScript pur et Canva. C'est un MMORPG. Donc comme quoi. Tout est possible. Donc, c'est donc programmé en RP, en JavaScript HTML5. Bon, après, il y a tout le serveur derrière. Le gars, ça fait plusieurs années qu'il bosse là, il bosse seul dessus. Donc, comme quoi, on peut faire même des MMORPG en JavaScript. Et donc vous pouvez acheter cette formation, je vous mets le lien dans le chat, avec 90 euros de réduction jusqu'à demain soir. Après, les inscriptions seront fermées. Ça s'appelle Scripters War. Voilà. Et nous, pendant ce temps, ben, on fait un space shooter. Donc j'ai remis à la petite taille. Alors pourquoi j'ai remis à la petite taille? Et puis regardez, j'ai bossé dessus hier. On a deux vagues maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai corrigé le bug de collision, je vais vous montrer où il était. C'est pourquoi quand je détruisais un ennemi, ben, il y avait tous les autres qui se détruisaient. C'était vraiment une faute de frappe, tout simplement. Ce jeu aujourd'hui, vous pouvez y jouer. Sur le live, en live, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous pouvez jouer au jeu depuis itch.io. Donc, je l'ai publié. Regardez, donc vous avez exactement le même jeu. Il faut cliquer à l'intérieur de la fenêtre pour avoir la main, et à partir de là, vous pouvez avoir les sons et jouer. Il faut savoir que un navigateur va refuser de jouer des sons s'il n'y a pas eu interaction avec le canevas ou la fenêtre, parce que c'est pour protéger les gens des sites web qui vont jouer des sons au moment où on arrive sur la page. Voilà, les concepteurs
Les navigateurs ont décidé que c'était trop invasif d'avoir du son quand on arrive. Donc du coup, il faut que ce soit une demande de l'utilisateur, une demande de la personne qui navigue sur le site, d'entendre ces sons, donc de donner la main en cliquant ou en cliquant sur play par exemple, etc. Donc si vous voulez éviter que les gens se retrouvent avec zéro son dans votre jeu, parce qu'en fait ça met même des messages d'erreur dans la console hein, si on les regarde. Vous rajoutez un menu tout simplement à votre jeu et les gens sont obligés de cliquer sur play. Et donc dans le menu, il n'y aura pas de musique. Vous pouvez faire un écran intermédiaire, c'est un écran qui arrive en premier et où il y a marqué cliquez pour commencer. Et là, vous affichez le menu avec la musique, puisque comme il y aura eu un clic à l'intérieur de votre Canva, la musique va pouvoir démarrer. Voilà, donc ça, c'est la petite astuce pour pouvoir régler ce genre de problème. Donc aujourd'hui, ce jeu, vous pouvez y jouer en ligne. Bien sûr, il s'y passe pas grand-chose, par les trois vagues. Hier, j'ai résolu des problèmes, notamment quand on détruisait les aliens, il y avait un bug, c'était ici. Je lui passais pas l'index de l'alien à détruire, mais je lui passais, je sais pas, une liste, enfin, j'avais n'importe quoi, un copier-coller. Malencontreux. Donc du coup ça pouvait pas marcher. Et hier soir j'ai travaillé sur ce projet-là avec mes élèves qui sont en certification. Hein, puisque vous le savez peut-être je propose des certifications également reconnues par l'État. Et du coup il y avait une demande, c'était d'avoir plusieurs vagues en même temps. Donc j'ai modifié mon Wave Manager. Donc ce qui fait que maintenant on a quand on crée les vagues ici, on peut les cumuler. On peut les démarrer au même moment et du coup ben ça fait ça fait des trucs un peu plus sympas puisque vous l'avez vu, moi je vais revenir sur mon serveur. Voilà, on peut avoir deux vagues comme ça et ça gère quand même le power-up même si. Alors, attention, le méga tir. Voilà les amis, du coup, ce qui avait été décidé, c'était de coder le truc en le tir en diagonale, hein, je crois. Donc on peut partir là-dessus. Tir en diagonale, c'est-à-dire on a un troisième niveau de tir. Aujourd'hui, on n'en a que deux. Ici, on a le tir 0 et 1 qui est un tir normal. Donc ça c'est des tirs. On a le drone, voilà, quelqu'un m'a dit sur YouTube que ça pourrait s'appeler un drone plutôt qu'un vaisseau allié. Et c'est vrai. Donc le drone, lui, il est cumulatif, donc il se rajoute au moment où on récupère le power-up. Il n'est pas concerné par le tir, sauf que ici, quand on tire, si on a le drone, c'est-à-dire si on est au moins au niveau 1, on a un deuxième tir qui apparaît au niveau donc du drone allié. Donc du coup, ce qu'on va rajouter, c'est le cas tout tout tout. Donc on est 0, on n'a pas de power-up. On a ramasse 1, on a le simple. Le 2, on a le big tir. Et si on est au niveau 3, il faut cumuler deux tirs. Du coup, je ne sais pas si mon code va fonctionner puisqu'il est censé n'en gérer qu'un à la fois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ici. Donc ça c'est pour le tir principal. Et ensuite on va faire pareil, on va faire comme ça. On va faire si on est supérieur à 2, si on est supérieur ou égal à 3, on va faire un tir en diagonale. On va voir comment on le fait. Il y a DS37 qui me demande quelle est la durée de la certification en nombre d'heures. 150 heures de travail. 150 heures de travail et après en nombre d'heures de live, je dirais une trentaine d'heures de live, trentaine d'heures de cours en live. Ouais, je pense que c'est ça. 150 heures de travail, 20 semaines. Il y a une session qui démarre le 6 décembre. Il reste 3 places, je crois. Donc tu peux. Bah d'ailleurs, je vais vous filer le lien pour vous inscrire à la certif si vous voulez. Je vais vous donner ça.
pour être contacté pour monter le dossier. Tac, tac, préinscription pour la session du décembre. Je vous le copie ici. Voilà. Ah, en plus, tu as ton compte formation à 150 heures. Bah, en fait, c'est 2800 euros. Donc, je sais pas si c'est au nombre d'heures. Oui, c'est peut-être ça. Peut-être que le prix, il est calculé sur le nombre d'heures. J'y connais rien. C'est pas moi qui m'en occupe. Donc, du coup, sûrement que tu peux être pris en charge à 100%. Anthony qui me dit j'ai géré le drone avec un booléen. Bah, comment j'ai géré mon drone? Avec un booléen. Voilà. C'est tout. Et après, par contre, je gère aussi un niveau. Parce que comme c'est cumulatif, les tirs notamment, je gère un niveau de power-up. Donc, il faudrait qu'on tire des belettes. Mais en diagonale. Des tirs en diagonale. Déjà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait tirer. Je crois que j'ai des petits missiles. Ça serait sympa d'avoir des petits missiles. Je les ai peut-être pas pris. C'est quoi laser? Ah oui, j'ai ce tir-là. On va voir ce que j'ai. Ça marche pas. Tac. J'ai plein d'explosions, on pourra en utiliser aussi. Les parallaxes, c'est pour mes trucs en bas, le player. Alors dans les shots, on a ça, on a des bigs, on a celui du boss. Ah voilà, c'est ça que j'aurais voulu. Un petit missile comme ça. Et ça vous dit pas que diagonale, ça soit plutôt un tir vers le haut et vers le bas? Moi je trouve que c'est plus sympa qu'un tir en diagonale. J'ai deux tirs comme ça. Donc ça serait sympa que quand on tire, on ait un missile qui parte vers le haut, vers le bas. Sinon, je peux les prendre, faire une rotation, mais ça risque d'être un peu laid en rotation. Donc vers le haut, vers le bas, ça va me faciliter la vie. Puis le principe est le même si vous voulez faire des tirs en diagonale. Donc du coup, ça c'est cool. Il faut que j'analyse mon code. Donc c'est shot, boss shot. Alors je vais les renommer. Hein. On va faire missile. Hop. Et missile down. Voilà, on va les charger dans game et on va voir si mon code est capable de tirer en diagonale. Parce que j'en suis absolument pas sûr. Pas en diagonale, de tirer verticalement. Donc on a missile et après on a up, down. Voilà. Ensuite on a bullet. Ici on va regarder notre constructeur. Tac tac. Ah oui, si j'ai la vélocité X et Y, donc c'est moi qui lui passe. Donc du coup c'est bon. Du coup on a player tiny, player big et on va avoir. On va en avoir deux autres. On va avoir un player up et un player down. Ça pourrait être optimisé, mais on va les gérer tous séparément. C'est pas plus mal. C'est bien comme ça. Missile up, missile down. Donc du coup, on a ça. Le missile, à mon avis, il est en une seule image. Et c'est du 7 par 13. Par 13. Il n'y a pas d'animation. On va faire un 10.current frame égale 0. C'est friendly.
La vélocité est légère ici après. On va faire player up. Et la même chose en down. Missile. Down. C'est tout pareil. Donc du coup, ce qu'on va faire au niveau du shoot, c'est que s'il a un level 3, on va créer deux bullets. On va faire B up. B down. On va tirer à partir du pas de l'allié. On va faire à partir de la position que j'ai calculée avant. Et vélocité X 0. Et la vélocité, c'est la up. Donc ça va être. On va le faire tirer lentement pour l'instant. Pour voir ce que ça donne. Le set à sheet met bien l'animation à trous, ça va pas poser un problème. Non, non, j'ai déjà fait plein de fois, ça, le framework marche bien. Il n'y a pas d'animation à trous, puisque il n'y a pas d'animation. Tant qu'il n'y a pas d'animation courante, il n'y a pas d'animation. Donc du coup, ben, il va rien se passer. On essaye de lancer ça. Par contre, il me faut plein de power-up. C'est impossible d'avoir ceux du bas en même temps. Mais... Salut, chez GA 59. Alors voilà, là on devrait avoir le tir hop down ou un plantage. Ah, ça marche. Sauf que j'ai inversé les. C'est marrant, j'ai inversé les images. Faudrait que ça tire plus en arrière. Alors, faudrait que ça tire plus en arrière. Player up, player down. Donc, c'est bien les bonnes directions. Et c'est où que je me suis. Missile up, missile down. Et donc, c'est les images, je les ai inversées. Missile down, j'ai mis le missile up. Ok. Voilà, qui devrait aller mieux. J'arriverai pas, je vais même pas réussir à voir. Il vaut mieux que je me concentre sur un, sur une vague. Voilà, c'est complètement disproportionné par rapport à mon vaisseau. Mais ça marche. J'ai pas d'autres vagues pour les tester. Je vais vérifier qu'elles sont bien supprimées de l'écran en regardant mes traces. Suppression d'un projectile hors écran, ouais, c'est bon. Décale la vague du bas pour éviter d'attendre la troisième vague. J'aime bien attendre les vagues. J'aime bien tester tard. Je sais pas pourquoi. Ça m'amuse. Mais oui, je pourrais. Ce qu'on va faire, c'est que. Qu'est-ce que je disais? Il nous faudrait une vague supplémentaire. Ou alors que je décale. Bon, ce que je voulais, c'était tester qu'on ait deux vagues en même temps, quoi. Bon, je l'ai fait. 500. 800. 1000. On va rajouter une autre.
vais juste vérifier que les tirs touchent bien les. Non, je me mets pas le max dès le début. J'aime bien tester dans les conditions du joueur. On trouve plein d'autres trucs. Voilà, ça marche. Et ça prend 10 secondes. Voilà. Alors, on a un multivague, on a le tir haut, le tir bas, le machin, le bidule. Ce qu'on va faire, c'est que je vais. Hop, alors, du coup. Bougez pas, il faut que je fasse un truc. C'est ça. Bougez pas, je vais revenir. Je reviens, je reviens. Je cherche la feuille qu'on avait trouvée. Avec, voilà. Suggestion. On n'a pas fait le découpage en scène. On a fait des sons, on a fait des essais sonores. On pourrait mettre une musique. On n'a pas mis la musique. Il y a Rafi qui m'a fait une petite musique. On pourrait la mettre. Les collisions, elles sont gérées. Les explosions, elles sont gérées. On n'a pas fait de boss. On n'a pas fait le choix de vaisseau. On n'a pas fait de score. On a fait les power-up, on n'a pas fait de barre de vie. On a fait le vaisseau allié. On n'a pas fait les bombes, mais quasiment. Et le canon qui tourne autour de moi, c'est le vaisseau allié, on va dire. Je sais qu'il y en avait qui avaient une idée différente du vaisseau allié, mais on va pas faire des trucs qui se ressemblent trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un vote pendant que on mettra la musique. De Raph. Du coup, je vais faire un reset result. Je vais faire un close voting parce que sinon il y en a qui s'amusent à voter pendant que je suis en train de saisir. Et donc, du coup, je vais afficher ça sur ma droite et puis je vais saisir les trucs. Donc, on a dit scène. Ensuite, on a le coucher de soleil. Ensuite, on a le boss. Ensuite, on a le choix de vaisseau. Et si vous choisissez le choix de vaisseau, je fais scène aussi. Le score. La barre de vie, le tir chargé, j'ai pas envie de rebosser sur les tirs, c'est un peu relou. Et le bouclier, c'est un peu relou aussi. Ça sert à pas à grand chose. En plus, si on n'a pas de barre de vie, ça sert à rien. Donc, du coup, hop, je vais ouvrir les votes, copy link. Et je vous envoie ça. Salut Mokouri. Je vous envoie ça et vous pouvez commencer à voter. Normalement, après, ça va se voir sur dans le coin en bas à droite. Voilà, super. Du coup, on y va pour la musique. La musique, Raph, tu m'as envoyé ça sur quoi? Sur Telegram? Ouais, super. Enregistrer le fichier audio sous. On va mettre ça dans Git. Un jeu dont vous êtes le héros. Live. Sounds. Raph Music, je vais l'appeler. Est-ce qu'on peut jouer des MP3? Oui, hein.
Tac. Alors voilà, la musique est arrivée. On va retourner dans le code. Donc du coup, on a dans Sound maintenant, on a la musique. Et je sais pas comment on joue un son qui boucle. Par contre, je sais pas s'il faut le faire à la main. Donc du coup déjà on va démarrer la musique tout simplement et on verra après. Sound musique c'est raf musique MP3 je peux le jouer directement. On va essayer de voir comment régler le volume. On peut faire ce genre de petites choses. Ah bah ça le joue direct puisque le truc était lancé. Du coup mon Delta Time il a pété là. Le son ça a l'air d'aller, ça vous casse pas trop les oreilles, trop fort, pas assez fort. Ah, tu dis qu'il faut faire. Ça suffit ça? Ouais, c'est pas assez bon, ça a l'air de passer. J'entends pas la zik, alors on y va. Et maintenant? Capture du son est faible. C'est toujours faible là parce que je n'ose pas le mettre plus fort. On entend mais pas très fort. Je vais peut-être baisser un jour. Voilà, j'ai baissé Chrome. Après, faut pas que ça soit trop fort, ça va vous saouler. Elle est top la musique, Raph. J'adore. Du coup, là, c'est super fort le son. Elle est vachement améliorée par rapport à hier. Elle démarre plus vite. C'est top. Et on est en train de faire un jeu. Hier, je me suis dit, mais je suis en train de coder un jeu. Depuis que j'ai plus mon studio, je code que des ateliers quoi. Je vais jamais dans le détail comme ça de features. Je code des bases de moteurs, des frameworks, des concepts, des cours d'algorithmique, des vertical slice en gros de jeu. Il faudrait que la musique soit 50% plus forte sans toucher au volume du tir. 50% moins forte, tu veux dire. Tony, c'est moins fort que tu voulais dire, je pense. Pour que ce soit équilibré, je pense qu'il faudrait que ce soit. Que la musique soit moins forte que les effets sonores. Sinon, on n'entend plus rien. Du coup, on va faire JavaScript sound volume. Ah, bah, c'est volume. Voilà, ok. Mon avis, j'ai juste à faire ça. Scène des musiques point volume est égal 0,5.
pas l'impression que ça ait fait quoi que ce soit. Pas de message d'erreur, mais... En fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la musique et ensuite dans le mélangeur, je vais vous envoyer un peu moins de son dans la gueule. Donc je vais juste vérifier si ça... Non, ça marche pas, ça fait rien du tout. C'est pas volume alors. On va rechercher donc du coup JavaScript sound volume. Ouais, je vais vous baisser le son. En fait, je vais vous baisser le son. C'est que c'est moi qui dois vous baisser le son aussi dans OBS, parce que je l'ai mis à fond là. Normalement, vous devriez toujours entendre. Ah ouais, mais c'est point volume, mais ça marche pas. Ah, mais peut-être parce que j'ai fait play avant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors déjà, le truc que je voudrais tester, c'est changer le volume avant de faire le play. Non, ça change rien. Je pense que c'est le moment où je crée l'élément audio. Ah ouais, mais parce que le play, c'est un play et stop, et loop, j'accède pas au bon niveau en fait. Donc du coup, c'est bon, j'ai compris. Même la loop, ça aurait pas marché. Il y a un sous-élément. Voilà, là, ça marche. Voilà, là, c'est moins fort. Et les sons. Toujours aussi fort. Alors maintenant, vous me dites juste si c'est trop fort ou pas assez fort dans le mixeur d'OBS. Toi, tu veux que je mette la musique plus fort? Déjà, on peut pas monter le volume au-dessus de 1. Donc, on peut pas faire musique 1.5. À mon avis, on peut pas pousser le gain comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on entende. Toi, vous préféreriez la musique plus fort et les sons moins forts? Ah, la musique plus fort. Je vais mettre le volume ici alors. Et du coup, ici, on va rajouter le volume. Voilà, j'ai baissé le son. Anthony va être content. La musique est plus forte que les...
Un truc que je veux faire depuis un moment. Par contre, ce qu'on va faire aussi, c'est que pour les tests, on va se baisser la musique, quoi. Alors, ce qu'on va se faire, c'est que dans le main, on va se faire un truc comme ça. Dans mon main, je vais faire un var au tout début. Var debug égale true. Ok. Et ici, du coup, dans le scène jeu, je vais faire if debug. Bah, je vais mettre un underscore devant, comme ça je suis sûr de pas. If debug 10.sndmusic.sound.volume. Égale 0,1. Voilà. Parce que sinon, à un moment donné, on ne pourra plus l'entendre la musique. Et une touche, oui, pourquoi pas, mais du coup, on va avoir un. À chaque fois, on aura la musique qui démarre, il faudra que j'appuie sur M, il faudra que je sauvegarde et tout, puis on va pas faire les trucs pour lesquels vous avez voté. Donc, du coup, on va faire ça, et si on est en mode debug, ça serait bien aussi d'afficher qu'on est en mode debug. Genre ici. Non, c'est dans game. Scène-jeu.draw et ici. Je regarde mon petit pense-bête pour le texte. Mon petit pense-bête. On va s'écrire ça en petit. Est-ce que je peux mettre terminal? On va voir. Hein, c'est vraiment tout petit. Ah ouais, j'ai le nombre de FPS aussi qui s'affiche. On va donc l'afficher plus bas. Voilà. Debug mode, je sais pas si terminal ça marche. Console. Non, ça marche pas toutes ces polices là. Je sais pas quelles sont les polices que je peux mettre. Bon, le Arial va très bien. Voilà, comme ça je suis sûr de ne pas oublier le mode debug pendant que si je distribue le jeu, ce qui serait très con. Donc ça c'est aussi une petite astuce. Si j'ai éliminé le premier vaisseau, Olivier, en fait j'ai reculé et je suis allé sur lui et au moment où il était, en fait j'ai fait un truc comme ça, j'ai reculé comme ça et j'ai tiré et en fait il a explosé derrière moi. Il n'y a pas de bug sur le calcul des. On va le faire, je vais essayer de pas détruire tous les vaisseaux. Je vais rater le premier. Voilà, tu vois, j'ai pas le bonus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va aller regarder les votes. Et on va les fermer. Close voting. Alors, on y a deux justesses, on a les scènes, mais bon, de toute façon, le choix de vaisseau ayant été choisi en deuxième, je sais que je dois faire scène et choix de vaisseau. Et ensuite un boss. On n'aura pas le temps de faire tout ça. Demain, ce sera une séance de questions-réponses. On refera un tour du jeu. On verra ce qu'on peut coder. Il y aura un tour de questions-réponses sur la programmation HTML5.
Si vous posez des questions sur la programmation HTML5 et sur ma formation HTML5, demain il y aura une séance où vous pourrez vraiment me poser des questions pour savoir si ça vous correspond ou me demander des pistes de choses que vous voulez éventuellement comprendre pour ce que vous en ferez de cette formation, le genre de jeu que vous voulez faire, etc. Du coup, on y va pour le système de scène. Donc du coup, ben, ça va se passer ici dans Game. Donc on va se faire un... La scène courante. Scène jeu, c'est en français, c'est con, je code jamais en français. Donc on va faire scène current. On va faire choice. Voilà. Et du coup on va avoir deux scènes. Du coup on va avoir oh, une scène jeu, une scène choice. Qui n'existe pas encore. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme code? Je vais pas tout copier. Hein. On va se créer un fichier scène choice.js. Que je vais mettre là. Et alors, du coup, on va avoir scène choice. Voilà, on va avoir un constructeur qui pour l'instant on sait pas ce qu'on va avoir dans notre scène. Il y a un load qui prend un. On va le copier. Qui prend une image loader. Du coup, on va faire this.image loader égale. Nul. Point image loader égale p image loader. Voilà. Et ensuite, je crois qu'on a un update et un draw, c'est tout. Ah non, il y a les touches aussi. Update. Donc ça, c'est le système de scène aussi. Vous voyez ça dans la formation. La game loop, en fait, vous permet de faire ce genre de choses. Une game loop qu'on programme à la main, qui permet donc d'avoir du 60 FPS sur un PC. Je pense qu'on a un keep rest. Qui reçoit une touche. Du coup, bah, j'ai ma scène choice. Pour l'instant, elle fait rien, mais elle va faire. Donc, on va tout simplement. Faire récupérer ça juste pour avoir une trace choose your ship donc on va afficher ça c'est juste pour avoir une trace pour savoir qu'on est bien dans la bonne scène. Donc du coup, dans notre game, on va se faire des switches. On va se faire un keyboard aussi dans le choice. Dans la scène choice, on va se faire un keyboard qu'on avait implémenté la dernière fois. Qui me permettra de savoir quelles sont les touches enfoncées. Switch. Scène current. Okay, choice, on va faire choice update. On aurait pu aussi avoir une variable. Ben, je suis con, on aurait pu faire un truc plus simple.
On va faire ça. On va faire plus simple, on va pas faire un état. On a des objets. On va faire sendCurrent égale sendChoice. Ça va être beaucoup plus simple. Et du coup, dans l'update, on va faire sendCurrent. SendCurrent. Et dans le draw, pareil, on va faire un sendCurrent.draw. Pour coder sur NES, tu peux coder comme ils codaient les gens qui codaient sur NES à l'époque, c'est-à-dire en assembleur. Et peut-être que depuis, il y a des petits frameworks. On doit pouvoir coder en C. Il y a peut-être des compilateurs, puisque c'est quoi sur la NES, le processeur, c'est un 6502 ou un truc comme ça. Donc peut-être tu peux compiler pour la NES et avec un petit framework. Je te conseille un truc si tu t'intéresses à la programmation de jeu. Tu vas sur 8-bit Workshop. Voilà. Tu as carrément. Tu peux coder directement depuis leur interface. Donc on y va. Game Console, NES. Voilà, tu vois, tu as une lib qui s'appelle NESLib qui permet de coder en C. Donc, du coup, tu n'auras pas les mêmes perfs que coder en assembleur, bien sûr, puisque le C va être un peu verbeux, même si c'est optimisé. Au moment de la compile, il va générer de l'assembleur un petit peu plus, on va dire. Tu vois, là, par exemple, c'est juste un Hello World. Bon, bah, en assembleur, ça fait quand même pas mal de lignes. À mon avis, tu peux faire moins de lignes avec un assembleur pur. Et voilà, donc du coup tu as Hello World, tu as scrolling. Voilà. Ça utilise le NESLib. Bon, bien sûr là tu peux coder directement depuis leur interface. Tu peux même faire un new project et tout, hein. C'est vachement bien. Mais tu peux aussi sûrement faire la même chose depuis ton PC. Il y a pas mal de features, tu vois, on gère les sprites. MetaSprite, ça doit être des sprites composés de sprites. Flickering sprite, etc. Après, il y a un jeu, il y a toujours un jeu de siège là, qui est codé. Enfin, c'est le trône de l'époque. Ça marche en plus. Voilà. Voilà pour l'info, pour le hors sujet. Du coup, est-ce que j'ai une scène maintenant de menu de choice qui s'affiche? Non, ça plante. J'ai dû laisser encore des traces de scène jeu. Scène jeu before initialization. Ouais, j'ai le point load. Donc, pareil ici, on va faire scène current.load. Voilà. Ça plante toujours. Alors, du coup. Ça, je vais essayer de le comprendre. Pourquoi j'ai maintenant ce genre de choses. Before initialization, pourtant. On va faire ça. Si je m'arrête avant, là, pourquoi tu me mets un message d'erreur? Voilà. J'ai l'impression que j'ai rien, j'ai pas de scène courante. Scène courante. Qu'est-ce que j'ai fait? Scène choice machin. Scène courante égale scène. Ah oui. Parce que le scène choice il s'est pas créé, parce que j'ai une erreur. Parce que je l'ai pas mis dans l'index tout simplement. Donc du coup. Scène choice. On va la mettre avant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais penser à le mettre dans mon build d'obfuscation. Pour quand je publierai le jeu. Voilà.
Les amis, est-ce que si je réactualise, j'ai quelque chose? J'ai un point d'arrêt, donc non. Voilà, choose your ship. Du coup, maintenant, il faudrait plusieurs ships. Et j'en ai qu'un. D'accord? Donc, du coup, ça va être. Il va falloir en dessiner un deuxième. Et il me reste 10 minutes, donc ce qui est un peu court, mais on va. Dans le principe, vous avez vu qu'on a le découpage en scène. Il me faudrait un deuxième ship. Donc, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé des vaisseaux. J'aime pas trop le style, donc. Parce que c'est fait en 3D à la base. Mais la tentative était sympathique. On va récupérer notre son, notre image à nous. Je crois que ça s'appelle Thais. Révélé avec l'explorateur. Tac, image. Voilà, donc on a ce premier vaisseau-là. Sachant que il aurait fallu que j'affiche ça en tiles d'ailleurs, que je l'ouvre en tiles plutôt que en image. Comme ça, je verrai la taille. Taille d'image. Donc, du coup, c'est du. Je me rappelle plus. Je crois que c'est ça. 8 par 14 ou 8 par 16. 8 par 16, je crois. Voilà. Ah oui, c'est une bonne idée. Je vais juste changer la couleur. Color preset. Je sais pas, je vais prendre du spade. On va prendre du rouge. On va prendre un truc comme ça. Ça, tac, et ensuite ce qui est plus foncé, voilà, et le cockpit il reste comme ça. Donc du coup voilà, maintenant on a deux vaisseaux, on va l'exporter en PNG, Thais, live image, save. Donc du coup maintenant j'ai bien deux vaisseaux. Je vais pas faire des statuts. Normalement, c'est mon avant-dernière séance aujourd'hui de code. Demain, il y aura les questions-réponses, tout ça. On fera un vote si vous voulez que je continue à faire ce genre de live et que je continue ce jeu la semaine prochaine éventuellement. Pour ça, il va falloir me supporter, c'est-à-dire venir et pourquoi pas attirer du monde. Pour venir me voir, ça serait bien qu'on ait plus que 50 personnes en live. Là, on a trentaine de personnes sur YouTube et une quinzaine sur Twitch. C'est peu, peut-être l'horaire vous convient pas, mais le soir, je peux difficilement faire des lives puisque je suis en live avec mes élèves. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a ce vaisseau, ce player. Donc, du coup, le player, on va être capable de le changer et du coup, d'avoir un type ici. Voilà. Et du coup, ici, on va faire current frame égale type. Pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'animation. Donc, du coup, ça va être plutôt simple. Du coup, par exemple, dans le jeu, si je fais type égale 1, je vais avoir le deuxième vaisseau. Et type 0, je vais avoir le premier vaisseau. Du coup, dans la scène choice, ici, on va venir voir comment je crée mon player. Mon envie, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est juste un new. Voilà. Avec une position. Donc du coup, ce qu'on va faire dans le scene choice, on va se créer deux players. Comme ça, quand on y aura plusieurs, on va les mettre dans un tableau. On va faire 10.player égale ça. Ah! Je cherche mon crochet, je cherche toujours mon crochet sur mon clavier. J'ai changé trois fois de clavier pour avoir des crochets qui se voient mieux, mais c'est toujours l'enfant pauvre du clavier, cette ligne en haut, elle est mal rétroéclairée. Pourtant, ça fait 40 ans que je tape du code et je cherche toujours mes crochets. Je tape toujours des accolades à la place. Donc du coup, on va faire 10.currentChoice égale 0. Voilà.
Et du coup, on va se faire un player. On va se faire. On se crée deux players. Et ensuite, on va les dessiner. On va se faire un for each de 10.player. Donc, on va l'appeler autrement, ça. On peut renommer. Voilà. LST players. Pour chaque player, on va faire. Donc on va se faire ici un let x. Je sais pas, je vais mettre des positions à la con. Hein. Let y égale 100. 90, ouais, je crois que ce sera à peu près au milieu. Et ensuite on va faire P, on va faire P.x égale x. P.y égale y. P.draw, c'était x. Donc je vais dessiner mes trucs comme ça. Et après je vais faire P.x plus égale 16. C'était ça de large, plus 5 pixels d'écart. Pour l'instant, ça ne fait rien. Tac tac, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je sais pas. Ah, j'ai pas passé le type, donc du coup d'ailleurs une erreur. Donc là, type 0, type 1. Ah, j'ai mes vaisseaux là. J'en ai un qui apparaît. On va faire ici. On va faire comme dans la scène jeu, on va scaler. On va scaler. J'en ai qu'un parce que non c'est bon 0 1 j'ai que le deuxième qui s'affiche ou quoi? J'ai l'impression qu'en fait c'est mon x qui doit pas bouger. Oui c'est mon x qui doit pas bouger. Les points donc c'est x égale x plus 16. Ah non, les points x égale x, ça devrait marcher là. Je vois pas pourquoi ça marche pas. Point x égale x. Ça marche pas en fait. J'ai mis 50 et ça change rien. Ah parce que ok. Ben parce que on peut pas le déplacer, mon truc. Il faudrait que j'ai un set position ou un truc comme ça parce que en fait comme il est avec plusieurs trucs. La position, elle est basée sur. C'est le sprite en fait. C'est mon ship qui. On va faire un set position. X, py. Et on va faire 10.spr. Ship.x égale px. 10.spr. Ship.y égale py. Et ici, on va faire du coup. Point set position x virgule y et voilà. Donc là j'ai mes vaisseaux et pour le choisir on va faire un truc très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On l'encadre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Merci Moon qui m'encourage. Alors on va juste faire la sélection. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le souligne, on l'encadre, on fait quoi?
Qu'est-ce qui vous dit? En fait, je pourrais très bien utiliser ça. Des boutons, non, je vais pas gérer du clic là. Il n'est pas du tout. Mon jeu, il gère pas la souris, donc il faudrait que je passe tout avec la souris. Je n'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Ce que je peux faire, c'est. Ah non, là, l'encadrement fonctionnerait pas. Puisque c'est trop petit. J'allais dire, j'allais faire un fond. Moi, je vais faire un fil rect. Hein. Cette position, machin. Bon. Donc, en dessous, on va faire if. Donc, on va faire let i égale 0. Là, je vais calculer un index pour savoir sur lequel je suis. Et je vais faire if i égale. Choice. On va faire un fil rect. Alors ce fil rect, on va le faire comment? Tac tac. Est-ce que j'ai un fil rect quelque part? Je voudrais un exemple de fil rect. On ne rappelle plus comment. Ben, je vais faire comme ça. Fil rect. Voilà, c'est ça. Merci pour moi d'avoir trouvé. Hop, voilà. Je vais faire un fond. On peut faire un fond un peu rouge. Et on va dessiner ça à X, Y, largeur 16, hauteur. C'était ça. Voilà, donc là il est sélectionné, donc c'est très horrible la couleur. Il me faudrait plutôt du jaune. On va faire un jaune comme ça. 250, 211, 3. Il est où mon truc? Il est ici. Voilà, donc mon vaisseau il est comme ça. Je peux même l'encadrer un peu différemment. Je vais faire Y moins 2 puis 4. Voilà. Du bleu comme le fond, plus clair. Mais je sais pas si ça se verrait du coup. On va déjà faire ça, hein, plutôt que des scales et tout ça. L'idée, c'est déjà de faire l'algorithme de choix. Vous êtes sur les visuels, mais déjà, il faut qu'on puisse le choisir. Donc du coup, là, on va faire keypressed if key égale arrow right. Là, ce que je voudrais, c'est pas trop dépasser. Je suis déjà en train de dépasser, il y en a qui sont partis manger. Si j'arrive à faire là en mode commando, qu'on n'ait pas le même vaisseau après en passant sur play. If this current choice est supérieur ou égal à 10.lstplayers.length, on va plutôt faire ça. Ça. Et après, on va faire l'arrow left. Ça fait rien. Est-ce que j'ai un message d'erreur? Non. Est-ce que j'ai je pense que dans le game là, j'ai oublié de tout simplement d'appeler le keypressed. Voilà.
Hop, voilà, je peux. J'arrive pas à revenir en arrière, ça plante. Mais j'étais pas mal, parce que j'ai fait un plus-plus au lieu d'un point un moins-moins. Ici. Voilà, j'arrive à sélectionner celui-là ou celui-là. Et ensuite, on va faire. Ma scène courante, elle est quoi? On va la faire en var. Je vais faire un gros patch pas beau. If key égale space scène current égale. Ah, mais putain, et c'est là que je vais être emmerdé, moi. À mon avis, ça va pas passer. Parce que bah déjà, elle n'a pas été loadée, la scène. Donc, ici. Scène courante. On les a pas chargées, les scènes, en fait. Scène current. Ah oui, si, elle a été chargée. En fait, on va pas faire ça. On va faire scène choice.load. Scène jeu.load. Voilà, ça marche, sauf que mon vaisseau maintenant il se voit plus. Je ne sais plus pourquoi. Qu'est-ce qu'on a cassé? Dans notre scène de jeu, il y a le type, c'est ça, il faut lui mettre un type. Virgule. Donc déjà je vais essayer. Voilà ça. Et du coup maintenant il me faut avoir le type. Pour avoir le type, est-ce que j'ai pas mon game manager dans cette version-là? J'ai obligé d'utiliser une variable globale moche. Il me faudrait un game manager qui contient toutes les données du jeu et comme un singleton à qui je peux passer des infos. Je ne l'ai pas codé du tout pour ça, a priori. À moins qu'il soit là-dedans. Non, je ne l'ai pas. Parce que j'ai plusieurs projets en même temps. Donc, bah si, j'ai une idée. On va faire ça. 10.player. Type ça, et en fait quand on va créer le player on va faire 10.player type, et dans la scène de jeu quand on fait en space on va faire scène jeu point player type égale 10.current choice. Je prends le rouge, tac, et j'ai un vert. Ok. 10.player type égale current jeu. Ah ouais, parce que c'est au moment du load. Ok, elle a déjà été chargée la scène en fait. Et c'est dans le load que je change le player. Alors on va faire autrement. On va patcher tout ça. On va pas la charger la scène de jeu. C'est la scène de choice qui va la charger. Voilà. C'est marrant, c'est que quand je choisis le vaisseau, bah j'ai un tir. J'ai un tir dès que j'apparais. Bon, ça peut s'optimiser. Ouais, je sais que vous devez tous retourner au boulot, donc du coup, je vais m'arrêter là. On se donne rendez-vous demain. Bon, en tout cas, je suis allé au bout du bot que vous aviez choisi.
On se donne rendez-vous demain pour la suite. On reverra un petit peu ça. Et surtout, préparez vos questions. J'ai déjà pas mal de questions sur la formation HTML5. Donc, du coup, je vous rappelle qu'il y a une formation HTML5. Parce que tout le monde me dit, mais tu ne nous envoies pas le lien ou elle n'est pas en promo, etc. Parce que vous la cherchez sur ma boutique. Et vous n'avez pas accès, vous n'avez pas ce petit bout-là. Coupon égale bootcamp HTML5. Donc du coup, elle est à 59 euros jusqu'à demain soir. Hein, vous êtes déjà une bonne vingtaine à l'avoir choisi. Je vous remercie. C'est très bien. Ça fait vivre Game Coder. Et c'est pour ça que je continue à vous former depuis bientôt pas mal de temps, depuis 2016. Donc ça fait un paquet, 5 ans, que je produis du contenu pour vous. Donc du coup, vous n'hésitez pas. Je vous mets ce lien encore dans le chat, pour que vous puissiez vous lancer dans la formation JavaScript. Et bien sûr, ça sera moins avancé que ça, puisque c'est accessible aux débutants. Vous allez vraiment prendre les choses depuis le début. Du coup, vous allez pouvoir apprendre à construire les pierres qui vont vous permettre de créer des jeux web HTML5. Et je vous offre en plus, au moment où vous allez acheter la formation, pour 1 euro, vous avez une formation complète à la programmation qui va vous apprendre la programmation en dehors de JavaScript, mais qui si vous ne savez pas programmer, qui va vous apprendre les if, then, machin, et construire des premiers jeux, créer un Pong, etc. Du coup, vous saurez programmer des jeux vidéo et ensuite vous pourrez apprendre JavaScript en 30 minutes et commencer des jeux HTML5. On en parle demain à midi chez vous, à 13h chez vous. Donc rendez-vous demain, merci de m'avoir écouté. Est-ce que je pense refaire les anciens ateliers d'UI, etc. en HTML5 plus JS? Je suis en certification actuellement avec des élèves et je leur ai fait faire la formation Lua et la formation HTML5. Et ils refont tout ce qu'ils ont appris en Lua en HTML5. Pourquoi? Parce que la formation HTML5, ben, je vais prendre ta question d'ailleurs, je la ressortirai demain. La formation HTML5, elle est sur la même architecture que Lua Love 2D, c'est-à-dire qu'elle va t'apprendre à faire le load, update, draw et comment passer de Love 2D à HTML5. Et du coup, tu vas pouvoir porter tout ce que tu as fait en Lua et Love 2D en HTML5. Je code exactement de la même manière. J'utilise des classes au lieu de tables et c'est toujours toute la même chose. Bonne journée à tout le monde, on se retrouve demain à la même heure sur le stream Twitch et YouTube. Croyez en vous, bon code, des pouces comme ça, plein plein. Et voilà, gros bisous, merci d'avoir été là avec moi, ciao. La musique. Alors, qu'on va faire pour finir en beauté. Ah, ça lance plus la musique. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ben si, ça devrait marcher là. Ah oui, parce qu'il faut sûrement cliquer à l'intérieur. Voilà, je voulais vous mettre la musique. La musique, elle est dans le jeu, je suis con. Salut à tous, à demain. Ciao, ciao, je coupe.